Yo les mimi, yo les zaza, yo les amis. Une heure, j'ai pas encore terminé. Une heure, les gars. Ah, enfin. Vous avez reçu un mail. Attends, j'ai pas fini. Bon. Une invitation là, une vocale. Je vais aller voir ça vite fait. Qui c'est? Ok. Bon, on continue. Ah, c'est long, hein, sans employé là, c'est long. J'espère que je vais débloquer un employé parce que là, sinon, ça va être long. Pas évident de faire ça droit. Mais bon, déjà, ça bouge moins que sur les farming simulateurs, quand même. Encore une invitation à une vocale. Bon, je vais aller voir. Et une autre. Eh B. Ok. C'était les trucs de message là. C'est casse-pied ça. Groupe de messages.
Ok. C'est fini. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent. Il est où le 100% maintenant? Avoir quelque chose d'invisible que j'ai pas vu. Pour cent, voilà, c'est bon. Ok, donc et donc quoi? Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Peut-être descendre. C'est pas ça. Acheter des graines. Triangle. Chat. Attaché au tracteur, d'accord. Bon, après. Parfait. Pour commencer à semer dans le champ, tu dois d'abord remplir le semoir de la céréale appropriée. Remplir le semoir. Oui, d'accord, mais comment? Dans ce cas-ci, nous avons besoin de blé. Rends-toi la palette de blé à côté du hangar. Gare le semoir juste à côté et remplis-le de graines. D'accord.
Et je fais comment là? Je remplis comment ton truc là? C'est pas ça. Non, ça marche pas. C'est pas ça. Blé. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant que ton semoir est plein, tu peux commencer à semer. Déplace-toi d'abord au bord du champ et ensuite abaisse le machin, active-le. La seule chose qui te reste à faire est de couvrir tout le champ. Tout comme tu as l'air, comme tu l'as fait avec la charrue. Les machines et véhicules, un sale peuvent être nettoyés au cas où. J'espère que ça va aller plus vite là. Et que ça va pas se décaler. Alors. Bon, comment on fait? Détacher l'arrière, actionner. D'accord. Arrêter la marche. La marche. Ça se décale. Comment ça va être long? Ça va quand même un petit peu plus vite. Ah oui, par contre, un truc que je voulais faire, c'était option. Hein, quoi? Changement, pas été sauvegardé. C'est quoi, c'est le métrage que je voulais voir?
électrique. Appliquer. Audio. On va mettre un peu de musique si on a. Franchement, il me plaît le jeu, hein. Il est sympathique, hein, quand même, hein. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'employés. Ça va être long, quoi. Ça va être vraiment long. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer Farming Simulator. C'est pas mal, hein, quand même.
C'est pas mal du tout quand même, hein. Par contre, ça c'est chiant. Ce truc-là, là. Pour la charrue, c'était, il fallait jouer du joystick gauche. Et puis là, pour cette machine-là, il faut jouer de la croix. Ça embrouille.
pas s'il marche en partage celui-là. Partage de jeu. À défaut d'être multi. Je préfère me méfier là. Je crois que j'ai oublié un bout là. Hein? Par là. Voilà. Ah mince. Bien, hein, de toute façon. Ça va plus vite hein, quand même hein, que le labour. Hein.
sais pas si les graines elles se dépensent même si je roule dans un truc que j'ai déjà semé. Tiens, je vais regarder voir. Là, je suis à 185 kilos. Ah ouais, ça se dépense. D'accord. Ok. À 8, on termine là. Oh, c'est cool, hein. 80, c'est combien? 80 ou 90? 90%, il me dit que j'ai terminé. 90.
Ok. Neuf, 100. Pourtant là j'ai loupé un peu là, ici je crois. Ok, 100%. Donc là maintenant. On va où? Champ. Quoi? Irrigue. Avec quoi je l'irrigue? Alors, beau boulot. Active l'arroseur. L'irrigation est indispensable pour assurer la productivité du champ. Si la météo est bonne, le champ sera irrigué naturellement. Tu n'as alors pas à investir du travail additionnel. Mais cela risque de prendre du temps et surtout le rythme des pluies peut toujours changer. Tu peux autrement irriguer le champ grâce à une citerne. Grâce à une citerne. Tu sais déjà comment attacher une citerne et la remplir. Non, je ne sais pas la remplir. Je vais donc me concentrer sur le travail du champ. Arrête-toi au bord du champ et active l'arroseur. Tout ce qui te reste à faire, c'est de parcourir le champ. À pied? Pas. Mais où ton arroseur? Et comment? C'est pas ça. Faut que j'aille chercher le truc. Je sais même pas si c'est là. Attends. Je suis pas planté là. Je sais même pas.
Ah, c'est chiant ça. Carte. C'est pas ici. Hein? Non, c'est pas par là. Elle est où cette purée de ferme? Je suis où là? Je suis là. Ouh j'étais trop loin. C'est pas évident. Faut un temps d'adaptation, hein. Se repérer dans la carte là. Voilà, il faudrait que j'utilise longitude, latitude là. Ok, on va nettoyer le tracteur. Quoi? Ça y est? A été nettoyé, ok. Si je le mets à réparer, est-ce que ça remplit d'essence? Cher l'essence, hein. Non, ça remplit pas. Hein. Il faut du coco là, il faut du coco mon coco. Bon alors attends. Irriguer le sang. Donc là, moi, là, il faut que je prenne là, la citerne. Et le pulvérisateur, alors il sert à quoi? Pulvériser. Ouais, pulvériser de l'engrais. D'accord. Hein? Transporte 8000 kilos de céréales. Irriguer le champ. Ouais, d'accord. Attends, attends, attends. Je peux pas remplir avec. Non. Et là? Non plus. Hein? Où est-ce que je vais trouver de l'eau?
regarder, toi. Non. D'accord, il y a de l'eau. En face. Ah, attends, c'est quoi ça? Réservoir d'eau. Ah, ok. C'est ça, hein. Remplir. D'accord. Bon, d'accord. Attends, attends. Une pompe à essence. Avant de tomber en rade. C'est quoi ça? Entrepôt fruits et légumes. Éolienne. Maison, fourche à ballot. Quoi? Galuchon. Je sais pas ce que c'est ça. Astuce de chargement. D'accord. C'est pas par là. Oui, non, c'est loin. Station service, il y en a une là. Station à essence.